Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo, j'espère en tout cas que tu vas bien. Quand tu vois ce calepin, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va parler budget et on va faire un petit bilan du mois de mars. Le mois de mars a été, il a été un peu catastrophique, on va pas se mentir. En tout cas, j'ai pas envie de revivre le mois de mars, quoi. Mais c'est vrai que les denrées alimentaires ont vraiment augmenté, les prix des denrées alimentaires ont vraiment augmenté au marché et il y a eu beaucoup de choses. Mais bref, on commence ce nouveau mois avec beaucoup de volonté, beaucoup d'entrain, beaucoup de choses, quoi. Bref. Hey, pourquoi t'es flou? Bon, on va commencer par ce qui me reste déjà pour ce mois. Ouais. Bon, j'ai écrit. Ouais, j'écris tout maintenant. J'écris le mois de mars a été catastrophique parce qu'il a été. Augmentation des prix des denrées alimentaires. Sincèrement, les denrées alimentaires ont vraiment, mais vraiment augmenté. On est passé au triple pour certaines denrées, au triple du prix normal. Parfois, ça a quadruplé. Bref, on ne sait pas. La guerre se passe en Russie, en Ukraine, et les répercussions sont très très grandes, même en Afrique, quoi. Voilà, j'ai aussi un peu craqué, un peu beaucoup même, oui. Je me suis fait plaisir, j'ai fait plaisir à mon fils, à mon mari. Et il y a eu aussi des imprévus, beaucoup 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 d'imprévus pour ce mois de mars. On espère donc que le mois de février, non grâce, le mois d'avril sera meilleur. Alors j'ai fait quelques courses. Pas de trop grandes courses, mais quand même des courses qui vont tenir peut-être, j'espère, 2 semaines. En tout cas, je l'espère. Et je vais te faire. Je pense que c'est cette vidéo que je vais d'abord publier avant les retours de courses, parce que je les ai fait en plusieurs fois et je vais te montrer ça de toutes les manières. Donc, au 3 avril. Donc, oui, au 3 avril. Aujourd'hui, nous sommes le 4. Je suis en train de tourner le 4 et j'espère pouvoir te poster la vidéo soit ce soir, soit demain. Donc, au 3 avril, après quelques courses, il me reste 64 000 francs CFA. Donc, maintenant, on va vraiment travailler par semaine. Donc, soit 16 000 francs par semaine. Donc, mes 16 000 francs par semaine sont déjà dans mon sac. Gros défi, bon, gros défi. Ça va quand même pour cette semaine. J'espère ne pas utiliser les 16 000 francs, mais bon. Je me suis dit que ça, c'est vraiment un budget que je dois respecter, 16 000 francs par semaine. Donc, ça, c'est pour ce qui me reste pour le mois d'avril, ce que je dois utiliser par semaine au mois d'avril et la catastrophe du mois de mars, quoi. Maintenant, on passe, je pense que ça, c'est la dernière partie. Zoom, s'il te plaît. Non, ça, c'est pas la dernière partie. Attends. Côté épargne. Attends. Bon, apparemment, après truc, c'est ça. Après l'alimentation, c'est ça. Donc, mois de février, mois d'avril. On a 5 dimanches au mois d'avril. Donc, pour les offrandes, ça, c'est la partie offrande. C'est 5 000 francs. Voilà. Voilà. Donc, voici ce qui reste pour les offrandes. Il reste donc 4 000 francs puisqu'il y a un dimanche déjà qui est passé. Le dimanche d'hier. Voilà. Ensuite, on passe à l'épargne. Alors, l'épargne, ce mois d'avril, je n'ai rien mis. Comme je t'avais expliqué dans l'une des vidéos, je pense te l'avoir dit dans l'une des vidéos, en fait, j'avais utilisé cet argent-là. Voilà, j'avais utilisé cet argent pour terminer mon mois de mars. Et j'ai donc remis cet argent pour le mois de mars encore. Je ne sais pas si je te l'avais. En fait, je pense t'avoir dit que j'avais juste enlevé un peu, mais en fait, c'était vraiment catastrophique à la fin du mois de mars. Donc, j'avais tout utilisé et là, donc, j'ai remis ce que j'avais utilisé. Et voilà. Donc, voilà pourquoi pour le mois d'avril, je n'ai encore rien mis. S'il me reste quelque chose au mois d'avril, je prie en tout cas qu'il me reste quelque chose, même si c'est 10 000 francs, même si c'est 5 000 francs, je vais le mettre dans l'épargne, mais je n'ai encore rien mis parce que pour l'instant, ce n'est pas possible. Je ne peux rien mettre dans mon épargne pour le mois d'avril. Mais j'espère pouvoir mettre quelque chose d'ici la fin du mois. Alors, défi 1 000 francs par semaine, ça par contre, ça évolue très bien. Voilà, j'ai maintenant 11 000 francs CFA dans mon défi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai 11 000 francs. Là, ça évolue bien. Défi. Défi de pièces. Défi pièce, là aussi ça évolue bien. Tout ce que tu es en train de voir en fait, cette couleur là, attends. Bon, voilà, ce bleu là, c'est ce que j'ai rempli hier. Donc hier j'ai rempli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai mis 900 francs CFA, 9 pièces de 100 francs. J'ai mis aussi plusieurs pièces de 50 francs. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 600 francs CFA, donc environ 1 euro. Les pièces de 25 francs. Non, hier, j'ai pas rempli les pièces de 25. Hier, j'ai pas rempli les pièces de 25. Ensuite, on passe au défi de 500 pièces. Hier, j'ai rajouté. Attends. Ouais, défi 500 pièces. Hier, j'ai rajouté deux pièces de 500, donc 1000 francs. Donc, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3500 francs. C'est ça. Ça fait plaisir. Ensuite, défi 500 francs CFA billets. Là aussi, hier, j'ai rajouté 1, 2, non, hier, j'ai rajouté 4. Voilà, j'ai rajouté ces 4-là, donc ça faisait 2000 francs. Donc, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 6000 francs, c'est ça. Voilà, voilà pour les défis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, voilà pour le mois de... pour le budget du mois d'avril. En tout cas, j'espère pouvoir m'y tenir. J'espère que ça va aller. Je vais faire de mon mieux pour que ça puisse aller. En tout cas, le mois d'avril, je vais vraiment serrer la ceinture. Pas j'espère qu'il n'y aura pas d'imprévu. Je l'espère. Mais le mois de mars, mon fils est beaucoup tombé malade. Bon, non, la maladie n'a rien à voir puisqu'il y a l'assurance. Voilà, je dis n'importe quoi là. Non, la maladie n'a rien à voir. C'est surtout des imprévus du type visite ou encore on s'est fait plaisir. Et surtout, c'est les prix des denrées alimentaires qui a vraiment... les prix qui ont vraiment galopé. Voilà, je vais y arriver. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'apporte un plus. Dis-moi si toi aussi, si toi ça va. En tout cas, côté budget, si tu as pu respecter ton budget depuis le début de l'année, si tu respectes tes budgets ou bien comme moi, certains mois, c'est catastrophique. Bref, on espère ne plus retomber dans ce piège-là et on espère que ça ira mieux. Voilà. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt, je pense, pour le retour de course et très bientôt pour les vlogs. Voilà. À très bientôt. Bye.